Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un scooter assez particulier par le design. Bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc futuriste? Il faut absolument que je l'essaye. Donc, c'est sur la chaîne, le BMW CE04. Scooter 100% électrique de BMW. Alors, c'est pas le premier, il y en avait un juste avant. Mais celui-ci, réinventé totalement, il réinvente un petit peu la mobilité et le design. Donc, 100% électrique, une autonomie, donc on va le voir. Je vous parle de toutes les caractéristiques techniques. Je vous présente tous les détails à l'extérieur. Je vous présente les options qu'on a dessus. Ensuite, on va faire un tour sur tout type de route, de la ville, de la nationale, de l'autoroute, et voir comment ça se comporte à tout type de vitesse et voir en même temps l'autonomie. Je vous montre également comment ça se recharge. Vous allez voir, c'est très simple. C'est comme une voiture rechargeable. On peut le recharger soit sur une borne publique, soit à la maison. Alors, le CE04, qu'est-ce que c'est? Scooter 100% électrique. Au niveau de la puissance, on a l'équivalent de 42 chevaux. Au niveau de la batterie, on a une petite batterie. Bah oui, c'est un scooter, on ne peut pas mettre une batterie énorme. On a une batterie de 8,5 kWh. Une tension à 148 volts. La charge, on peut recharger, on a soit en option la charge rapide, donc à 6,9 kW, soit on a le chargeur embarqué de base à 2,3 kW. Donc on peut recharger soit à la maison, ça va mettre 4h30 environ sur une prise secteur, soit on peut recharger sur une borne, ce sera 1h40 pour aller jusqu'à 100%. Ça peut être un petit peu plus rapide si on monte que jusqu'à 80%. Ce qu'il faut savoir, on n'a pas forcément l'habitude encore sur les scooters électriques, mais scooter électrique, c'est comme une voiture électrique. Les 20 derniers pourcents, aller de 80% à 100%, c'est là où ça va mettre le plus de temps à recharger. Si vous rechargez qu'à 80%, ce sera bien plus rapide. Au niveau de la vitesse maximum, il donnait pour 120 km/h. Moi, j'ai réussi à prendre 127 compteurs, donc peut-être que GPS, on est aux alentours de 120, mais moi, j'ai réussi 127 compteurs. Par contre, ensuite, on est vraiment bridé. On sent qu'électroniquement, ça nous dit stop, ça pourrait aller beaucoup plus vite, mais pour ne pas consommer trop de batterie et garder une autonomie à peu près correcte, ils ont voulu brider la vitesse à 120 km/h, mais 127, comme je vous disais, en gros, ça vous permet d'aller sur autoroute quand même. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'électrique, quand vous roulez à 130, vous allez consommer beaucoup plus que si vous rouliez à 50. Donc, c'est un petit peu l'inverse. Hein. En ville, avec une voiture, on va consommer beaucoup parce qu'on ne fait que accélérer, etc. Avec l'électrique, bah, moins on roule vite, plus il y a de freinage, plus ça récupère, plus on va faire de l'autonomie. Donc, pareil, donné pour 130 km d'autonomie. Si vous faites de la ville en roulant calme, vous allez faire un petit peu plus. Si vous faites que de l'autoroute, vous allez faire moins. La moyenne que j'ai constatée, alors ce matin, je l'ai pris vraiment à 100%. J'ai roulé au max 100%, vraiment tout le temps. Et j'ai constaté qu'on perdait environ 1 km pour 1%. Donc, en roulant vraiment fort et en faisant de la route à 110, 120, 1 km pour 1%. Donc, on sera aux alentours des 100 km si on accélère un petit peu fort et qu'on roule à haute vitesse. Au niveau du moteur, il est positionné à l'arrière, sous la selle, donc cette selle un petit peu particulière, devant la roue, le plus bas possible, tout comme le pack de batterie qui est positionné ici, en gros, le plus bas possible pour avoir le centre de gravité le plus bas toujours. Pareil, hein, plus on met le centre de gravité le plus bas, plus on a quelque chose de maniable et aussi qui tient la route. Moteur synchrone à aimant permanent et on a un système de refroidissement liquide à l'intérieur. Au niveau des consommations moyennes qui sont annoncées par BMW, on sera à 7,7 kWh au 100. Ça dépendra vraiment de votre utilisation. Le prix de ce petit joujou à partir de 12 000 euros, une version bien configurée avec les packs Pro, les packs City, les packs Innovation, le Quick Charge pour avoir la recharge plus rapide, plus des options comme le Top Case et autres, on pourra monter jusqu'à 16 000 euros environ. Bon, ce genre de bruit, c'est fini, hein. Vous ne l'entendrez plus. L'avantage de l'électrique, c'est que c'est silencieux. Bon, là, on entend un système qui refroidit parce qu'on a un petit ventilateur à l'endroit où on met son téléphone. Donc, lorsque je démarre, pour vous montrer donc, les feux LED, feux full LED, bien sûr, hein, donc à l'avant, les clignotants également full LED. Donc, on a cette signature lumineuse de jour. Là, je suis en plein phare. On a les appels de phare juste ici. Donc, on va voir soit les feux normaux de croisement, soit les pleins phares de cette façon. Donc, avec plus la signature de jour ici sur le côté. Donc, on a un avant assez fin. Par contre, ça a été élargi avec ces sortes d'appendices aérodynamiques pour pouvoir donner un petit peu de caractère à cet avant. Par contre, sur le haut, un design qui change totalement des autres scooters. Alors, ce mini saut devant ici. Alors, je vous avoue, je ne sais pas s'il est vraiment utile ou pas. Ça mène un petit touche de rappel avec l'orange qu'on a sur la selle. Un petit peu style. On peut avoir en option une bulle un petit peu plus haute qui vient jusqu'à là environ. Qui peut être utile si vous faites beaucoup de route ou vous roulez un petit peu plus rapidement. Sur l'avant, on peut voir
que là, on a des parties plastiques et qui entourent les freins. Donc, les disques sont quand même à l'air libre parce que les disques, ça doit être refroidi. Mais par contre, on a des parties ici qui camouflent un petit peu le tout. Donc, c'est pareil, ça doit jouer pour l'aérodynamique puisque avec de l'électrique, le but, c'est d'avoir la moto le plus aéro possible. Des pneus avec des jantes en 15 pouces à l'avant et à l'arrière, du 120 de large à l'avant, du 160 à l'arrière. Donc à l'avant, on trouvera deux disques de 265 mm pincés par des étriers 4 pistons. À l'avant, une suspension avec un débattement sur la fourche de 100 mm. À l'arrière, on a un amortisseur qui est ici, bien protégé à cet endroit-là, pour lorsqu'on s'asseye ici, que le ressort ne touche pas du tout, donc protection ici. On pourra l'enlever si on veut que ce soit plus joli et voir vraiment l'amortisseur. Et à l'arrière, on aura 92 mm de débattement. Comme vous pouvez voir à l'arrière, on a un monobras. De l'autre côté, c'est vraiment très très spécial d'avoir une roue pleine. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et on retrouvera ici à l'intérieur, de ce côté-là, un disque 265 mm également, avec un étrier monopiston flottant. Sur ce monobras ici à l'arrière, on peut voir qu'on a une courroie ici crantée qui permet de transmettre du moteur qui se situe sur l'avant de la roue ici à la roue directement pour le système d'entraînement. Donc comme je vous disais, 42 chevaux environ. On peut le brider également pour les jeunes permis. Au niveau du poids du scooter, 231 kg. Alors oui, effectivement, c'est pas forcément très léger, mais on a un moteur électrique plus des batteries. Des batteries, souvent, c'est ça qui pèse le plus sur les véhicules électriques. Donc là, on les a vraiment au plus bas du scooter, mais 231 kg tout de même. Au niveau de la longueur, le scooter fait 2,28 m de long, 85 cm de large et 1,15 m de haut jusqu'au haut des rétros. Au niveau de l'empattement, on est sur un empattement de 1675 mm. Donc de là à là-bas, autant vous dire que c'est un bateau, c'est très très long, hein, 1615 mm, mais ça permet d'avoir une très bonne stabilité à haute vitesse. Par contre, on verra, au début, il faut s'y faire, parce que comme c'est déjà assez lourd, plus on a un empattement assez grand, plus un angle ici qui est plutôt incliné, il faut quand même jouer un petit peu du guidon. Par contre, ce qu'on verra, ce qui est cool, c'est qu'il y a une marche arrière. Ça, c'est le top du top. Au niveau de la hauteur de selle, ce qui est plutôt important, c'est qu'on a une selle à 780 mm de haut. Donc dans cette version, on peut avoir des selles différentes avec ici, un petit rebord qui va pouvoir nous maintenir un petit peu plus au niveau des fesses. Et si vous choisissez la selle confort, elle fera 800 mm en hauteur, donc 800 mm. Donc on reprend 2 cm de plus parce que ça aura un petit peu plus d'amorti. Au niveau de la position que j'ai sur ce scooter, alors j'avoue que ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que j'ai pas forcément de quoi mettre mes pieds ici. Alors sinon, il faut que je prenne les cale-pieds de la personne à l'arrière pour me mettre de cette façon. Mais sinon, il faut vraiment rester de cette façon. Moi qui fais du 44-45, si je mets mon pied ici, vous pouvez le voir, en fait, ça va venir toucher le carénage. Donc pour les grands pieds, pas pratique. Sinon, il faudra se mettre pied en canard de cette façon pour ne pas avoir à toucher cette partie. Moi, je vous avoue que j'aime bien avoir les pieds droits. Et là, je suis pas au top. Donc il faut que je mette mon pied ici, dans le creux, ou sinon de cette façon. Par contre, de cette façon, comme vous pouvez le voir, le siège est vraiment à plat. Moi, je suis là, j'ai pas de bulle. Je vous avoue que ça fait un petit peu les abdos. Et comme je peux pas me mettre vraiment comme ça, donc avec des appuis, ça fait que je vais vraiment subir en fait les accélérations. Et comme ça accélère plutôt fort, je vais devoir bien contracter les cuisses pour me tenir et bien tenir sur les bras. Bon, par contre, ça reste quand même rigolo. Au final, cette assise, elle est plutôt ferme, elle paraît pas du tout confortable. Alors, je vous avoue que j'ai quand même pas mal roulé aujourd'hui avec. Et au final, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que c'est bien arrondi. Alors, je suis pas très large du popotin, mais pour moi, ça tombait parfaitement. J'étais pas sur le côté, je tombais pas ni d'un côté ni de l'autre. J'étais bien assis. Et au final, j'ai pas trouvé ça inconfortable. Et après, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que si je me mets vraiment loin, je vais pouvoir répartir sur un petit peu plus sur les cuisses. Et en vrai, j'ai trouvé ça confort. Mon Forza 125 est effectivement un petit peu plus confortable, mais au niveau de la position de conduite, j'ai préféré celui-ci, parce que sur mon Forza, j'ai l'impression d'avoir une position de dos différente, parce que l'assise est plus inclinée, alors que là, j'ai pas eu mal au dos du tout. Alors que sur le Forza 125, je me suis acheté un Forza 125 perso, j'ai souvent mal au bas du dos. Sur le côté, on peut voir, petit rappel, BMW ici, donc là, de quoi poser ses pieds à l'avant, les repose-pieds. Pour l'arrière, de ce côté-là, on n'a rien, je vous montre de l'autre côté le rangement. Alors, ce qui est bien, c'est keyless, j'appuie ici, ce qui va m'ouvrir le scooter. Alors, ce qui est peut-être dommage, c'est que je ne puisse pas ouvrir directement mon compartiment sans démarrer le scooter. J'ai un petit vérin ici avec un petit câble de retenue et à l'intérieur, j'ai de quoi mettre mes deux câbles ici. Donc, soit je peux mettre mes deux câbles,
soit je peux mettre un casque intégral avec mes gants ici par exemple. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre et casque et câble. Là, ça ne passe pas. Ensuite, je peux refermer. Je peux avoir cette sacoche ici en plus. Donc cette sacoche que j'ouvre ici sur le côté. Donc hop, et je peux ranger des choses dedans. Donc si je veux aller faire des petites courses, ça peut être pratique, plus une petite pochette ici sur l'avant. Et ensuite, je remballe comme ça. C'est bien sûr une sacoche qui est étanche. Donc vous pouvez rouler sous la pluie avec des affaires dedans. On pourra peut-être mettre son câble à cet endroit-là. Et vous pouvez aussi opter pour un top case, si vous voulez, qui se situera ici sur l'arrière au-dessus. Et là, de ce côté-là, on voit bien cette roue pleine, très très atypique. Sur l'arrière, longue garde-boue ici qui vient bien jusqu'à cette partie. Pareil, donc tout ça est tenu par une grosse partie métallique montée sur le bras ici. Donc de ce côté-là, on n'a vraiment rien. Les clignotants à LED, pas de feu qui est ici. Et quelque chose de très atypique. Alors je ne sais pas comment ils ont passé ça en réglementation. Vous voyez, il n'y a pas de feu arrière. Le feu arrière, c'est les clignotants ici. Donc si je me mets en warning, j'aurai mes clignotants ici à l'intérieur sur la partie centrale et les feux sur l'extrémité. Original. Allez, c'est parti, je vous emmène à bord découvrir tout ce qu'il y a juste ici. Donc, pour enjamber, très facile, pas besoin de lever trop la jambe, je passe mon pied ici et je monte dessus. Une fois dessus, voilà la vue que j'ai juste ici. Donc maintenant, on a le rappel BMW Motorrad, pareil là-bas. Comme vous pouvez le voir, un très très grand écran de plus de 10 pouces et demi TFT ici, que je vais démarrer en appuyant sur le bouton ici. Donc pas de clé, toujours qui laisse. Hop. Et là, ça se démarre. Donc on a un écran qui est très lisible, même en plein soleil, absolument aucun souci. Il me reste 61% de batterie, ce qui est l'équivalent de 55 km, parce que j'ai quand même roulé plutôt pas mal. Là, sur les 15 dernières heures, sur ce trip, on a fait 405 km, vitesse moyenne de 30 km/h, une moyenne au 100 à 9,3, en ayant bien roulé, en s'étant amusé. Hein. Et alors ça, il me semble que ça doit être la récupération, c'est ce qu'on a récupéré. Cet écran qui nous donne le kilomètre heure ici, la puissance restante, combien de kilomètres me reste, le mode dans lequel on est, l'ordinateur de bord. Sur la gauche, si vous connaissez un petit peu BMW, on va voir les modes et les menus ici. Sur la droite, on va voir les modes de conduite, les poignées chauffantes et le démarrage. Donc pour démarrer, une fois que c'est allumé, je démarre de cette façon. Actionner le frein et appuyer. J'actionne le frein et ça y est, c'est parti. Là, le scooter est démarré. La vitesse était affichée en plus grand. Power ici, c'est quand je vais accélérer. Recharge, c'est une jauge en fait qui va... Quand je vais freiner fort, ça va remonter là. Quand je vais accélérer fort, ça va monter là-bas. Donc en gros, comme un contour. On reste 61%, 55 km ici. Vous voyez, il y a une petite flèche. La petite flèche, lorsqu'on a cette petite flèche vers le bas, ça veut dire qu'on peut descendre dans les menus. Je descends dans le menu de cette façon. J'accède à mon véhicule, navigation, médias, téléphone ou réglage. Je peux retourner en arrière et sur mon véhicule, donc toujours la touche qui va vers le bas, et rentrer dans le menu de mon véhicule. Ça va me donner, à partir du moment où j'ai roulé, les pressions des pneus, les températures, etc. Je vais ensuite avoir mon ordinateur de bord avec mes tripes. Je vais avoir mon ordinateur de voyage, les pressions. Donc on va avoir ici pareil quand on va rouler. Et la prochaine maintenance, donc là dans 10 000 km. Hop, je retourne ici, je peux remonter vers le haut. Ensuite, navigation, je peux connecter mon téléphone. Alors le téléphone, ça je vais pouvoir le faire juste ici, lorsque j'appuie ici. C'est pour ça qu'on entend ce bruit ici à l'intérieur de soufflerie, parce qu'en fait, il y a un petit système de ventilation ici. Ici, j'ai ma prise USB-C, je connecte mon téléphone ici à l'intérieur et je peux le mettre à cet endroit-là qui va être connecté. Et il faut avoir l'application qui va bien avec le scooter également. Les médias, pareil, je pourrais changer de média grâce à cette petite roulette. Et si j'ai le casque connecté en Bluetooth, donc c'est pour ça qu'ici, ça me met Bluetooth. Lorsque je vais pouvoir connecter tout ça, je vais pouvoir décrocher au téléphone, etc. Grâce à tous ces menus, le téléphone, pareil, on l'a là, et les réglages. Dans les réglages, c'est pareil, je descends, et je vais avoir ensuite les réglages du véhicule, les réglages du système, les paramètres de charge, les connexions, l'affichage, les informations, et tout réinitialiser si je veux. Dans les réglages du véhicule, je vais avoir par exemple l'alarme et l'éclairage, la puissance d'éclairage ici, les réglages du système, la date et heure, les unités 600 km/h, la langue, et la touche favori. Touche favori, c'est ici, je peux avoir un raccourci. Paramètres de charge, c'est à combien je vais vouloir charger. Donc là, j'ai une limite à 30 ampères, par exemple. Et ensuite, les connexions. Oups, je suis retourné là. Les connexions, c'est pour connecter votre téléphone. Appareil mobile, il n'y en a pas. Casque pilote, casque passager. Donc là, on ne les a pas. Affichage,
je vais pouvoir régler ici la luminosité et la barre d'état, speed limit info, est-ce que je le veux ou pas ici. Voilà concrètement donc ce qu'on peut faire avec ces écrans. Ensuite, on a les modes de ce côté-là, les modes. Je vais avoir ici le dynamique, le mode écho, le mode rain, le mode road et dynamique. Donc écho, ça va brider un peu la puissance. Rain, ça va faire attention avec l'antipatinage sous la pluie. Le mode route, ça va être un bon compromis de tout ça. Et le mode dynamique, c'est lui qui va vous donner la puissance maximum, l'accélération maximum, la régénération maximum. Donc plus de rythme lorsqu'on va conduire. Ici, on aura le bouton poignée chauffante, ça c'est pour démarrer, arrêter. La touche SOS ici, en cas d'accident, où ça va détecter s'il y a vraiment un gros choc, ça va appeler le SOS automatiquement. Sur la gauche, les appels de phare derrière, hop, allez. Parce qu'on le voit bien, le LED, ça éclaire vraiment très très fort. Ça, c'est les feux automatiques, donc on peut avoir les feux de jour et de nuit qui se mettent automatiquement. Le warning, donc, qui s'affiche sur le côté de l'écran. Les menus, la touche favori, la touche reculée. Quand j'appuie ici, vous voyez, ça m'affiche une touche reculée, et donc je vais jouer avec l'accélérateur pour reculer. Les clignotants et le klaxon qui sonne assez fort. Et cette molette qui me permet de jouer dans les menus juste là-bas de cette façon. La poignée ici donc chauffante, le frein arrière et le frein avant ici. Donc ils ne sont pas réglables via des molettes. Les rétroviseurs de cette façon, on a plutôt une bonne visibilité, c'est correct et ça tourne avec le guidon. Plus bas donc le bouton pour démarrer, comme je vous ai montré ici, ce sera le petit compartiment pour téléphone et quand je tire de ce côté-là, ça va être la prise de recharge. Je tire ici, donc on a une prise type 2 où je vais pouvoir connecter, donc comme je vous disais, soit en 2,3, soit en 6,9. Un peu plus bas, donc on a cet espace-là, on pourrait presque mettre un petit quelque chose ici, la vue pour les pieds, et cette selle, donc qui redescend bien ici. Pareil, si vous êtes assez petit, je pense que ça ne va pas être trop gênant de venir se mettre un pied sur le côté. Pour les poignées chauffantes, on va le voir en bas ici, le statut. Donc 3, 2, 1, ou éteint. Je le sentais pas, mais là, ça commence à chauffer un petit peu. Bon, je pense que maintenant, vous savez à peu près tout sur ce scooter. Il va falloir aller l'essayer, voir ce que ça donne sur la route, parce que c'est là le plus important quand même. Bon allez, c'est parti pour ce tour en ville, au début, puis sur route, autoroute, avec ce CE04. Donc on va faire une petite balade. Donc là, je pars avec 57% de charge. Je ne sais pas où ça va mener, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer. J'espère, je croise les doigts, puisqu'on va quand même faire un assez grand tour. Donc pour démarrer, c'est frein. Et ici, ça m'allume le compteur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, donc comme vous pouvez le voir, je peux partir directement. Touche R, reculer, j'accélère. Le scooter recule. C'est juste excellent. Moi, personnellement, je trouve ça formidable, le fait de pouvoir reculer en scooter. Bon, c'est parti, clignotant. Et let's go. Donc, comme je vous dis, on commence par la ville, tranquillement. Alors, je vais refermer ça direct, comme ça, vous n'aurez pas de bruit du tout. Alors, je ne sais pas si vous pouvez entendre ce bruit électrique. Ça fait vraiment un bruit de machinerie électrique. Bon, en rond-point. Donc, que j'ai les jambes comme ça ou comme ça, moi, ça ne me change pas grand-chose. J'aime bien voir un petit peu sur l'avant, là. Donc, ce long empattement fait que le scooter est assez stable. Niveau maniabilité, alors, ce ne sera pas des plus réactifs si je veux changer d'angle. Je sens qu'il y a vraiment un avant qui est assez lourd tout de même. Donc, je peux mettre un petit peu de rythme, par contre, il est hyper stable. Et ensuite, donc, sur le changement d'angle, il va falloir l'emmener un petit peu. Par contre, niveau accélération, ça y est, je suis déjà à 50. C'est ahurissant l'accélération. Franchement, à chaque fois, je suis bluffé. Au niveau du confort, on sent qu'on a un petit débattement, donc 100 mm à l'avant, 92 à l'arrière. Donc forcément, ça va pas être une GS qui va super bien amortir sur les petits chocs, sur les petites plaques d'égout de cette façon. Ça va un petit peu. En fait, on sent que sur le début de l'amorti, c'est plutôt correct. Par contre, on sent que dès que ça choque un petit peu plus, ça va être assez ferme. Tout comme la selle est assez ferme, ça va faire qu'on va quand même le ressentir assez. De cette manière, donc on peut le balancer comme ça assez facilement. Par contre, pour emmener le guidon, il va falloir y aller un petit peu. Au stop, je sens qu'à l'avant, avec le double 10, j'ai un freinage très puissant. J'ai aucun souci. Et l'accélération 0 à 30, 30. En fait, c'est hyper vif. Et même le 0 à 50 est ultra impressionnant. On se le fait juste un petit peu après au bout de la rue. Mais c'est bluffant.
Et des fois, on a l'impression qu'on délaisse un petit peu la roue avant. Alors, je ne sais pas si on pourrait faire des wheelings avec ça. J'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont vouloir essayer. Mais c'est assez bluffant. Donc, on n'a pas ce bruit de moteur, mais on a quand même ce... Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. L'accélération est quand même phénoménale. J'adorerais trouver un T-Max pour faire une accélération, un test d'accélération avec un T-Max pour voir ce que ça donne. Parce que je suis vraiment assez bluffé. Bon, pour la ville, impeccable. Hein. Pour moi, on n'a pas besoin de ralentir beaucoup trop. Allez, on laisse passer les enfants juste pour pouvoir faire une petite accélération ensuite. Là, on est en montée. Et regardez, vous êtes prêts? Ouais, je suis déjà à 60. Comment c'est possible? Ça va trop vite, ça bombarde. Et on sent vraiment l'accélération, le couple instantané de l'électrique. Et lorsqu'on a arrêté, zéro bruit. Même si le start and stop se fait sur des scooters, comme là, moi, j'ai le Forza 125, j'ai le start and stop. Alors, je trouve ça vraiment cool pour pas polluer et faire de bruit bêtement lorsqu'on a un feu. Mais là, on n'a aucun bruit. Par contre, pas d'aide au démarrage en côte, il faut venir toujours appuyer sur son frein avant ou arrière, comme vous préférez. Et là, hop, c'est reparti, clignotant. Hop, je tourne. Hop, il me semble pas que j'ai l'extinction automatique du clignotant. Non, je l'ai pas ici. Allez, petite zone où c'est pas mal dégradé. Donc là, ça bouge un peu, hein. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra devant. Les dodanes, je fais exprès de les prendre. On sent que le début de l'amorti est correct, mais que ça reste ferme. En gros, c'est comme une voiture BMW. Ça reste ferme. Et on se met à 50. 50 km/h. J'ai pas de bruit. Là, il fait 30 degrés. Je vous avoue qu'avec la veste et tout, je suis en train de cuire. C'est agréable. On entend quand même toujours ce moteur. Alors, petit à petit, on s'y fait. Quand on se met un régime à peu près stabilisé, ça va. On a une phase à 60 km/h où on l'entend siffler un petit peu. Mais à 50, c'est vraiment cool. C'est très chill en fait. J'évite ce petit dodane. Il ne manquerait plus qu'un petit régulateur, ce serait parfait. Et pour ralentir, donc pas besoin de freiner. Regardez, j'ai la récupération d'énergie, donc on voit au tableau de bord. Vous avez vu, ça freine assez fort, comme si on faisait vraiment une pression sur un frein. Mais ça, c'est la régénération du moteur. Parce que là, je suis en mode dynamique. Si je me mets en mode rain, par exemple, normalement, il va y avoir une régénération un petit peu moindre. Vous voyez, ça ralentit tout de suite beaucoup moins vite. Parce que sous la pluie, si la roue arrière régénérait beaucoup trop, en fait, ça ferait une sorte de blocage de roue à cause du couple. Et ça, c'est pas ce qu'on veut sous la pluie. Donc selon les modes, vous allez avoir vraiment différents réglages au niveau de l'accélération, donc de la réponse à l'accélération. Par exemple, là, je suis en rain, ça accélère pas pareil. Si je passe en mode éco, le mode éco, il faut vraiment tourner la poignée avant d'avoir vraiment de la puissance et du couple. Mais sinon, le mode éco va faire que ça y va tranquillement, tranquillement, sans qu'on soit pressé. Par contre, le mode éco, lui aussi, va essayer de récupérer un maximum d'énergie à la décélération. On a ensuite le mode road, comme je vous disais, qui est un bon compromis entre tout. Et le mode road, on a quand même de la puissance. Hein. Ça accélère beaucoup trop vite encore. Bon allez, on va aller se mettre sur de la route un petit peu plus roulante. Alors ce qui est bien, c'est qu'au feu, là par exemple derrière, il y a un scooter, et ben je pense qu'il ne va pas pouvoir suivre. L'accélération est juste dingue. Le 0 à 50 se fait vraiment instantanément. Alors ça, on va pouvoir s'amuser à le faire énormément. Alors ce qui est bien, c'est que c'est de l'électrique, ça ne consomme pas d'essence, ça ne fait pas de bruit, ça fait plaisir. Alors je vais essayer de vous faire le bruit. À 60, j'ai ce petit sifflement qui se fait. Bon, allez, gros rond-point, on va se le prendre. Ah, dommage, on casse le rythme. Hop, on peut s'en serrer. Hop, très facilement. On double. Bon, on double pas par la droite. Quel dommage. Et en tout cas, à haute vitesse, il se comporte plutôt bien. Allez, on a un grand rond-point. On va essayer de faire un tour avec un petit peu de rythme. On ralentit exprès. En courbe. Donc en fait, on peut bien le mettre sur l'angle.
On n'a qu'une seule envie en fait, c'est d'aller tester un petit peu les limites. Il y a des gens qui me font peur sur la route. Hein. Allez, donc on teste et on ressort ici à droite. En fait, c'est vraiment bien. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de variateur, ça répond tout le temps, toujours instantanément. Et le fait que ça réponde tout de suite instantanément, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver forcément avec d'autres scooters. Allez, donc on double. Regardez, l'insertion à la plus haute vitesse pour aller à 90, ça se fait tout seul. Allez, là je suis à 80. Donc je suis à un bon rythme. Régime stabilisé au niveau du moteur. On voit qu'on ne consomme pas beaucoup dans ces conditions. Là on peut voir 50%, 51 km d'autonomie. Donc comme je vous disais, on arrive vraiment à ce ratio 1% égale 1 km d'autonomie. Quand on va rouler vite à 110 ou à 130, on va forcément consommer un petit peu plus. La plupart du temps, je pense qu'on pourra s'en tenir un petit peu près à ce critère. Si je monte à 90, hop, même à 90, hein, je peux accélérer un petit peu plus. Alors désolé du vent parce que là, ça souffle quand même pas mal. Le fait qu'on n'ait pas de bulle, ça joue aussi sur le vent qui rentre dans le casque. Donc à 90, en vrai, ça va. Je sens pas trop de vent. Alors je fais un petit peu les abdos comme je vous disais, comme je ne peux pas trop mettre mes pieds en arrière pour pouvoir me caler bien sur la pointe des pieds, en fait il va falloir que je me tienne bien sur mes mains ou sinon que je contracte ici au niveau du bas des cuisses et des abdos. Allez, je double, hop. Vous avez vu, hein, on peut s'en serrer assez facilement. Bon, là on arrive dans le cauchemar de l'Île-de-France. Warning, là, on a le droit de faire un petit peu d'interfilm. Alors, en interfile, l'avantage c'est que c'est pas trop large, on a dit 85 cm de mémoire, c'est plutôt agréable, on a les warnings, on roule à 50, on gagne du temps comparé à l'automobile. Bon, ce qui est bien c'est que c'est là, on va pas consommer tant que ça, et c'est vrai que là on voit vraiment tout l'avantage 100% de l'électrique, et en plus d'un deux roues, en plus il fait beau, on prend l'air, que du régal. Bon, il faut faire quand même un minimum attention parce que ça reste quand même dangereux. Ouh, une belle Ghibli. Bon, regardez, je vous fais un 80-110. 90-100-110. Ça monte plutôt vite. C'est agréable. On sent qu'on a de la puissance. Bon, comme je vous disais, c'est bridé à 120 km/h officiellement. On peut prendre un petit peu plus. Le but, c'est pas forcément de rouler à fond avec ce scooter tout le temps, c'est plus un scooter de mobilité urbaine, comme on a dit. Donc là, par exemple, si je veux me faire un 100 Vmax, donc ça pousse, ça me fait 110, 115, 120, 125, 126. J'aurais pu prendre 127, mais à 127, ça coupe vraiment, et ça dépassera pas les 127. On s'y fait, alors comme je vous disais, donc on prend forcément un petit peu de vent, on a la mini bulle. Si vous voulez avoir un petit peu moins, prenez la bulle qui remonte un petit peu plus haut, qui va vous protéger un minimum. Même au niveau du vent dans le casque, ça va aller. Pareil, ça, prenez la bulle que si vous faites ce genre de route un petit peu tous les jours. Sinon, celle-ci sera largement suffisante. Peut-être qu'effectivement, pour l'hiver, ce serait bien d'avoir une bulle un petit peu plus haute pour éviter de prendre vraiment le froid. On va aller tendre de la courroie. Ça peut le faire, ça, comme expression. Go. Donc, on accélère tranquillement. Correct. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport, c'est quand même un vrai avantage, c'est un vrai confort, on va dire. Bon, ça c'est joli aussi, hein. C'est pas le même plaisir. C'est smooth, quoi, c'est quand même agréable. Bon, la suspension aurait pu mériter d'être un poil plus confort. Parce qu'au final, ça reste quand même quelque chose pour la ville. Alors, le fait que ce soit ferme, c'est bien parce que ça va être dynamique, mais un poil de confort, ça aurait pas fait de mal, je pense. Bon, allez. On a une petite route où il n'y a personne, 0 à 100. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça marche quand même correctement. Il n'y a pas grand chose à dire. Et même un 80, 90, ça y va bien. Allez, on va rester à 90, voir un petit peu à cette vitesse que ça donne. Toujours en mode dynamique qui me permet d'avoir des relances plutôt correctes. Alors à partir du moment où on commence à être à plus de 80, ça devient moins franc que lorsqu'on est en ville, mais ça relance quand même vraiment bien. On sent, ça nous met un petit coup en arrière. Et en vrai, je sens que sur la selle, je me balade un petit peu puisque c'est vraiment à plat. Il y a quand même un endroit où on sent en fait
il y a des petits crans dans la selle. Alors même si on les voit pas, on sent que ça nous maintient quand même. Bon, et pour les virages, c'est plutôt correct. Allez, si je remets un petit peu plus de rythme, ce qui est bien, c'est qu'on va pas pouvoir aller trop vite avec ce scoot. Ça penche, hein, plutôt facile, comme on dit, un empattement long. Ça va pas être ultra réactif, mais par contre, quand ça va y aller, vous allez être bien sur l'angle. Et allez, hop, l'emmène. Puis je lui fais confiance. Donc là, j'arrive, on va se tester un gros freinage. Donc là, par exemple, on est à 100, gros freinage. Avec l'ABS qui se déclenche, on a les warnings qui se déclenchent. En toute confiance, le scooter est resté bien droit. Je peux vraiment lui faire confiance. Et regardez, si je le refais là, il y a vraiment l'ABS qui se déclenche. Je sens la roue qui bloque un petit peu. Mais je sens aucun danger. Alors par contre, effectivement, ne faites pas ça en virage. Pas de cette façon, ça va être plus risqué. Et comme ça, on pourra conclure sur ça, voir ce que ça donne. Et également, en un petit peu dynamique. Petite roue de campagne, donc c'est un petit peu bosselé. Je sens un petit peu que ça sautille. Enfin, c'est plus moi qui sautille, parce que bon, le scooter tient quand même bien la route. Et accélération, aucun souci. Ça aurait peut-être mérité un poil plus d'amorti. Et on peut y aller. Et en plus, on ne gêne pas les cyclistes, on leur fait pas peur, on fait pas de bruit. C'est quand même très sympa. Hein. Bon, vous savez ce qu'il mériterait encore? C'est une fois encore un 0 à 100, parce que ça, c'est vraiment très cool. Au niveau du frein arrière, si je freine tranquillement, ça va aller, ça va bien freiner. Si vous mettez un gros coup d'un coup, forcément, on va déclencher la baisse assez rapidement, comme sur une moto, comme sur n'importe quelle deux roues. Mais le frein arrière équipe plutôt bien le scooter, comme on a pas mal de poids et que le poids est bien réparti assez bas, ça va faire que le frein arrière va être assez efficace. Allez, on se remet un petit virage, et juste après, un petit test d'accélération, et hop. Donc je freine, je ralentis tranquillement, jusqu'à l'arrêt, juste avec le frein arrière. Ça marche aussi bien, pas aussi efficace que l'avant. Et le 0 à 100, allez, oh là là, ça pousse toujours autant. Ça pousse. Et 100. Alors là, il ne me reste plus que 28% de batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que moins vous avez de batterie, moins vous avez de puissance. Alors ça ne se fera pas ressentir énormément, mais on va surtout le voir à partir de 70. Quand on est à 100% de batterie, on va sentir qu'il va avoir plus de gouache quand même. Bon, il me reste 24 km d'autonomie, j'habite à 28 km. Bon courage! Débrief, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pense de scooter? Alors, on aime ou on déteste. Je pense que le choix va être vite fait. Perso, j'adore la différence. Là, niveau différenciation, le style est vraiment atypique. Vous ne trouverez pas d'autres scooters à part ce modèle-là, de ce style-là. C'est assez impressionnant. La première fois qu'on le voit, on se dit « Ok, waouh, qu'est-ce que c'est ?» Scooter électrique, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si vous êtes citadin, le scooter électrique a tous les avantages. Vous pouvez le recharger à domicile, c'est pratique. Sur une borne, pas forcément le plus pratique, mais vous avez de la ville à faire, aller au boulot. Moins de 100 km par jour, c'est le top du top. L'accélération, excellente, on ne peut rien dire à ça. Le 0 à 100 se fait, mais vraiment très facilement. Vous doublez tout le monde, tout ça, sans aucun bruit. Alors, il y a quand même un minimum de bruit dû au moteur, etc. Alors, ça, pareil, on va s'y faire, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve ça bien mieux que tous les ou les pots à Krapovic et tout qui font un bruit pas possible. Alors, c'est vrai que c'est marrant un petit peu au début, mais avec toutes les normes qui sont en train de sortir, tout ce qui arrive par rapport aux normes anti-bruit et autres, bah, ça, je pense que ça va faire vraiment une révolution. Parce que c'est vrai que les scooters, ça fait énormément de bruit. Et pour moi, hein, c'est pas forcément le bruit le plus agréable, le bruit d'un scooter. Une belle moto, ok, on passe les rapports, on peut monter, descendre dans les régimes, un scooter, c'est... Je trouve pas ça forcément waouh comme bruit. Alors que là, c'est calme, c'est agréable, on passe discrètement. Avantage aussi, hein, si vous poussez un petit peu vite devant la maréchaussée, quand ils vous entendent en scooter, ah, vous faites beaucoup de bruit, vous passez un peu vite, ah, là vous passez un petit peu vite, ils disent, mais attends, il n'y a pas de bruit. Les gens s'y font pas encore énormément. L'avantage pour moi, c'est vraiment cette facilité d'utilisation et
L'électrique, c'est coupleux, c'est instantané. Il n'y a pas de passage de rapport ou autre, c'est pas comme un variateur. C'est vraiment instantané et ça y va. Vitesse maximum 120 ou un petit peu plus, 125, 127, comme j'ai pu le voir. Pour moi, ça me suffit, comme c'est un scooter qui est plus destiné à la ville ou vraiment aux périphéries des villes. Comme je dis, hein, si vous faites aux environs de 100 km, ce sera plutôt bien. Là, on n'a pas l'inconvénient du chauffage comme sur une voiture où ça va pomper de la batterie en plus. En gros, la batterie, vous avez l'autonomie, c'est ce qu'il y a d'annoncé, c'est ce qu'il va y avoir. Vous n'allez pas avoir la différence vraiment en hiver ou en été, puisque ça ne changera pas énormément, même si en hiver, la batterie, elle ne recharge pas exactement pareil ou c'est pas la même chose, mais il n'y aura pas de grosses différences comme en voiture. Donc là, on a un avantage supplémentaire. Au niveau de la tenue de route, très très bon freinage de l'avant. J'ai bien aimé le mordant, c'est sécurisant. Même quand l'ABS se déclenche, ça tient super bien, même sur les gros freinages appuyés. L'arrière, il stabilise bien la moto. L'empattement, comme il est assez long, en courbe, sur les longues courbes, c'est super facile. Au début, c'est un petit peu dur lorsqu'on est en ville, mais sinon, bon compromis, j'ai bien aimé. Et surtout, enfin, le fait de se faufiler en ville comme ça, sans bruit, on accélère gentiment, il n'y a pas de... Bah ça, pour moi, c'est un gros avantage au quotidien et même au niveau du stress, au niveau de la conduite. Et alors, on n'a pas le plaisir de conduite avec le bruit, mais on a le plaisir de conduite, en fait, de le faire en toute fluidité. Pour moi, c'est ça l'avantage. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire si vous, vous aimez ce scooter ou si vous ne l'aimez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter ou pas? Ou est-ce que vous préférez quand même le thermique? Quels sont les avantages pour vous du thermique comparé à ça? N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.